les 5 coureurs avec Rafał Majka. Derrière, il y a un shot énorme, c'est Tom Scoins. Oh non. Ah, Tom Scoins qui est porté à la fin. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a peut-être mis la roue sur un de ses petits. Ah, il peut pas repartir. Non, on va l'arrêter là. Non, il faut l'arrêter. Écoutez, Tom Scoins. Attention, il y a d'autres vélos qui arrivent là. Il est complet. Mais il faut le tasser. Commotion cérébrale, tassez-le. Il faut s'arrêter, prendre soin des Tom Scoins. Aïe, il voit pas clair là. Ah non. Il peut pas repartir. Faut pas qu'on lui redonne le vélo comme non, ça. C'est vraiment impossible. Il peut pas repartir. La personne qui est débarquée de la moto. N'importe quoi. Je peux pas croire que la personne n'a pas vu que Tom Scoins était pas en mesure. Là, regardez. Il va retomber. Non. Non. Il faut l'arrêter. Il faut quelqu'un. Ah, écoutez. Ah, il y a une commotion cérébrale. Ne voit vraiment plus rien. Son coéquipier. Eh, mais il va tomber. Il faut vraiment l'arrêter, quelqu'un. Ça, c'est quelque chose. Des commotions cérébrales, que ce soit dans le hockey, dans le football ou quoi que ce soit. Et tout le monde a vu au sein des voitures. Les coureurs qui passent à côté de lui ne peuvent pas lui demander d'arrêter. On n'a aucune idée de ce qui s'est produit avec Tom Scoins. On sait qu'il a chuté. Ne serait-ce qu'en voyant son maillot, mais il y a quelqu'un qui doit lui dire.